Trail Nature 46, je suis déjà venue le faire deux fois. Le paysage est magnifique, il y a du dénivelé, voilà tout ce que j'aime. Une belle nature, dénivelé et tout ça avec mes copines, ça va être top. Et on va commencer un petit relais dans Rocamadour pour après partir sur du VTT. Et après on va enchaîner du trail et du canoë. Voilà, tout ça sur 24 heures, donc ça va être assez intense. La veste, c'est bon. C'est bon. Petit échauffement quand même, ce 24 heures, on a peur que ce soit pas assez long. Je m'échauffe un peu d'abord, hein, parce qu'après dans le sens on est bloqué. Tout va bien. La manucure est toujours là. Autre ombre rose. Les paysages, c'est dingue, magnifique. La vue sur Rocamadour, on est passé à côté du pas direct là. Top, top. Le soleil au rendez-vous encore une fois. Magique.
mode quoi. Ouais, ça va être fraîcheur, on va se mettre en combinaison de ski, ça va être royal. Un bol de pâte chaude là. On a bien profité pour l'instant. Maintenant, il faut profiter de la nuit. Non, là, tu vois, les rythmes, il était très bien. Il faudrait que ça continue comme ça. Voilà. Il faut d'abord partir de là. Là c'était super agréable, la section était magique. Là. Au début, c'était que du super single. C'était... Merci Red Nature 46. On a un local de l'étape qui, parce qu'il a fait les cartes du coin, donc on espère qu'il va nous cartonner ça là. Il se fait masser là, donc là, ça va cartonner. C'est assez surprenant, on pensait pas être à cette place à ce moment-là. Chose, donc ça sent bon la fin là. Donc un VTT et un trail. Et voilà, ça devrait le faire. Il y a boxe quand même. Allez! J'ai plus d'énergie là, je pense que j'ai tout donné.